Bonjour, je m'appelle Anaïs et voici notre troisième conversation dans le cadre de ce défi de 30 jours de communication. Si tu es arabe, la traduction tu la trouveras vers la fin de la vidéo. Bonjour docteur. Bonjour ma petite, de quoi est-ce que vous souffrez? En fait, j'ai mal à la tête. Effectivement, vous avez l'air très fatigué. Je n'arrête pas de tousser aussi. Et vous dormez bien la nuit? Non, parce que j'ai le nez bouché. Je respire à peine. Ah, d'accord. Vous avez attrapé froid. Qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? D'abord, la nourriture. Mangez sain pour renforcer votre système immunitaire. Ensuite, je vais vous transcrire un médicament pour faire passer les maux de tête. Et je dois vous dire aussi que j'ai la gorge sèche. C'est dû au froid aussi. Donc, je vais vous donner également des pastilles pour adoucir la gorge. Ce n'est pas grave, j'espère. Non, ne craignez rien, ma petite. Ça va passer. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, ma chère patiente. Avez-vous bien compris le dialogue? Allez, on va le regarder encore une fois, mais en conditions réelles. Bonjour, docteur. Bonjour, ma petite. De quoi est-ce que vous souffrez? En fait, j'ai mal à la tête. Oh, effectivement, vous avez l'air très fatiguée. Je n'arrête pas de tousser aussi. Et vous dormez la nuit? Non, parce que j'ai le nez bouché et je respire à peine. Oh, d'accord. Vous avez attrapé froid. Et qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? D'abord et avant tout, la nourriture. Mangez sain pour renforcer votre système immunitaire. Ensuite, je vais vous transcrire un médicament pour faire passer les maux de tête. Je dois vous dire aussi que j'ai la gorge sèche. C'est dû au froid aussi. Donc, je vais vous donner également des pastilles pour adoucir la gorge. Ce n'est pas grave, j'espère. Non, non, ne craignez rien, ma petite, ça va passer. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, ma chère cliente.
N'oublie pas de t'abonner pour faire partie de cette aventure. Et n'oublie pas que cette série risque vraiment de changer le cours de ta vie.